Le Sisia que le gars là va avoir là, oh, pauvre de lui. Et c'est comme ça que tu vois les femmes perdre leur mariage. Tu vas voir que la belle vie qu'elle a là, elle est dans une grande maison comme ça, c'est grâce au Watt. Elle mène la belle vie là. Mais c'est plus important de venir clasher. Donc le clash est plus important en fait. Ça ne sert à rien. Après, tu vas venir donner les conseils que quand tu as un homme dans la vie, ça, c'est alors les grands conseillers. Quand tu as un homme dans la vie, il faut le respecter. Tu vois les petites vidéos là, des conseils. Hein, Seigneur, les gens croient que la personne qui dit ça là, c'est la magie. Ça, c'est un moi, manque. Le prêtre a dit que faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que moi je fais. Non, c'est elle qui dit que Dieu fait ce que vous dites. Non, mais j'ai la vidéo. J'ai la vidéo. J'ai la vidéo. J'ai la vidéo. Putain, l'étoile qui vient, non, franchement. Mais comment elle a mon numéro là? Elle va me tuer, je suis mort. Non. Hé, hey, Coco, elle veut te bloquer ici. Moi, elle n'aime pas les gens qui conseillent mal les gens. Elle a mal fait. Il faut respecter un homme. Voilà, arrêtez. Et c'est pourquoi les blancs là ne veulent même, vous veulent même plus. Hein? Tu penses qu'elle pourrait faire ça avec un Camerounais? Le Camerounais devait la gifler là-bas. Hein? Tu penses qu'un Camerounais rend du travail, tu es sur Facebook, elle ne veut pas casser l'ordinateur là. Après, elle dit que son mari fait comme un gamin. C'est quoi ça? Tu vas faire les bêtises avec un gars, bah, ça. Non, mais c'est pas normal. Le fait même qu'elle dise à ses followers que son mari. Elle dit à son mari que ses followers sont en train de dire qu'il fait comme un gamin. Fait comme un gamin. Moi, je trouve qu'elle a rabaissé son mari. Elle a rabaissé son mari. Tu vas venir expliquer quoi aux gens? C'est pourquoi elle dit que les gens, ils croient trop elle à. Elle a tout simplement reporté son live. Eux, ils croient trop que Facebook, c'est la vérité. Donc, tu veux, l'homme qui monte sur toi, l'homme qui t'a fait dormir bien, l'homme par qui tu dors chez lui. Si tu penses, si tu étais une fille seule avec un Camerounais, tu pourrais vivre comme tu vis là. Le Camerounais devait te faire vivre dans un HLM quelque part là. Souvent, vous oubliez ça. C'est quand tu perds l'homme là que tu commences à regretter. On va te donner un gars bas ça. Tu vois, il va rentrer du travail, tu es en train de se télé. Il te casse le téléphone là loin. Ou un gars Yaoundé. Le téléphone là va voyager là-bas. Elle a fait les directs toute la journée. Toute la journée, tu fais les lives. Il y a une heure et il y a les enfants. Et tu entends aussi les enfants parler. Est-ce que les enfants ont mangé? Oui. Putain, la solitude. Elle fait comment? Elle est sortie de sa routine aussi. Non, mais il est 21h, ton mari rentre du travail. Franchement, où vous vous mariez pas? J'avais dit que le blog n'est pas compatible avec le mariage. Être blogueuse, ce n'est pas compatible. Elle est en difficulté, elle veut parler, elle veut pas perdre du temps. Mais tu as vu comment elle a traité le type là? Et moi, j'ai dit. Il faut dire aux jeunes filles africaines qui sont avec les Wallah que le Watt, c'est quelqu'un qui est nerveux. Quand ça le prend là, il va finir avec toi. Tu sais combien de femmes camerounaises en Suisse ont été qui l'âme avec les Watt là? Le Watt, quand tu continues de faire tes trucs là, tu penses que tu l'as dans la main là? Non, mais franchement, je demande aux gens, est-ce qu'elle a bien fait? La visibilité. Est-ce qu'elle a bien fait? Et toi, Kribiel, moi, je te dis la vérité. Tu as manqué de respect à ton mari. Hein? Parce que vous nous vendez souvent les bonnes relations que, oui, je suis en couple, mon mari, il est... ben, tu nous vendais souvent ça, là, Adama. C'est que non, tu nous as montré aujourd'hui, là. Les bons messages, mais comme je dis, là, elle a un peu fuck up, quoi. You don't fuck up. Mais sinon, elle vécu souvent les bons messages. Bah, si bêta, ça tu peut aider d'autres jeunes filles, tant mieux. Bêta, tu divorces seulement one time. Je divorce, tu viens faire ton blog, parce que c'est pas compatible. Hein. Quelqu'un dit qu'à force de. Ah, c'est Aïcha, où ça a eu des sous with people with animal? Non, il est pour Cameroun. Why you want to know? Ah, you be my woman, non? Hey, which time? Lead on top. You're gonna be my woman for all. Which time? You be fear with you. You finish with me. You know, you have some guy to talk for the house. I go do you like
Non, non, les gars, la famille, et toi qui viens la merder, gars. Elle a trop merdé, elle a merdé, elle a merdé. Moi, je voulais lui dire, toi, on fait pas ça. C'est ce que vous montrez alors que. Le prêtre dit que faites ce que je Le gars dis de a. te... Assez, Ne faites le pas Wad a ce d'abord que toqué je la dis. porte. L'anga tremblé. Bam. Chérie, donne-moi 15 minutes. Le Wad dit, ben non, 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 non. Non, parce qu'il est rentré du travail, tu as fait à manger, serre-le. Ah, l'étoile cubienne, non. Laisse aussi le Non, regard Angolais, faire où un est-il? Non, 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 je vais lui geste. dire, parce que. Toi, tu n'entres pas. Non, 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 non. Et que l'Angala, c'est une donneuse de leçons, il faut lui dire la vérité. Wa, Nobinayu, tu n'es pas concerné. Elle n'est pas au courant. Je vais lui dire que l'étoile cubienne, quand on a un mari, on le respecte. Ce que tu as fait là, c'est un scandale. Moi, j'ai la vidéo. Voilà. Avant de venir t'asseoir, j'ai la vidéo et je vais poster ça parce que tu ne peux pas. Ton mari rentre du travail. Tu veux gérer le clash. C'est le règlement de compte que tu es en train de Mais faire. règlement de compte, on a vu ça en live. On était, elle est connue, elle était en direct. Moi, je filmais. As décrié les mots. Non, elle n'a pas Ouais, compris. Il faut que je oui. dise que, gars, tu es une petite soeur, respecte ton mari. Et ce sont les abonnés qui l'ont forcé. Ce sont les abonnés qui l'ont forcé d'arrêter le live. Ma chérie, ton mari est plus important que le live. C'est pourquoi moi, je vous dis, épousez les hommes que vous C'est aimez. clair. Il ne faut pas avoir le blanc que parce que c'est le blanc. Il faut avoir un blanc que tu aimes. Tu penses si c'est un jeune ouate que tu aimais, tu allais faire ça. Le mari rentre du travail. Tu as la chance que Natacha de Monaco n'a même pas vu ça, Seigneur. Natacha, tu n'as pas vu ça, hein? Natou, tu n'as pas vu ta copine, ce qu'elle a fait. Hein? Tu n'as pas vu. Si. Elle n'aime pas le type. C'est sûr que c'est un Watt qu'elle n'aime pas. Tu vois, ton gars, aime ton gars rend du travail au lieu d'aller là. Et regarde encore ce qu'elle a fait. Natou est là, elle a dit, écoutez. Mais Natacha, tu n'as pas vu ce Avec que. des évidences. Natacha, viens, t'es fait le Congo. Ça, viens, je vais monter la vidéo. Natacha, c'est ma personne. Non, l'étoile qui ben, tu as merdé. On ne peut pas te laisser avec le dossier là. Laisse comme ça. Amen, quand même. Non, si tu me calmes, tu go. Hein. Voilà, il est là. Mais calme, tu es là pour dire ta part. Amen, quand même, peut me donner 500 euros pour la vidéo là. Je vous assure. Il peut me donner 500 euros. Non, mais franchement. Oui, elle va me coller. Je suis sûr qu'elle va me coller. Elle va me coller. L'étoile qui va me coller. C'est sûr que c'est le direct que j'ai fait qui l'a mis en colère comme ça. Là. Il a fait un direct à charge parce qu'il lui a dit la vérité. Ça l'a mis en colère. Non. Sois sérieux. Hein. Aïcha, il y a le bruit chez toi. Étoile qui vient. Tu as le bruit chez toi là. Vous savez de me servir pour manger. Je vais Et moi, manger. il mange quoi? Tu es mangaï. Je mange quoi? J'espère que tu aimes un mot. Hein. Parce qu'il ne veut pas mourir de ringa après quand il a nié. Comme Manganadja, là, que j'ai connu sur Internet, si vous la voyez, je me suis découragé. Bon. Et vu Manganadja, il dit qu'elle était belle sur les Suis photos. laide jusqu'à. Je suis très laide maintenant. Et toi qui ben, étais en train de faire le direct, moi, il décrypte, il raconte. Acha, je te mute un peu. Hein. Ça dérange dans les oreilles un peu. Ouais. Parce que ça fait les bruits, ça fait trop de bruit. Quand tu es calme, j'allume. Natacha, tu m'as dit ce que tu penses. L'étoile qui vient est en train de faire le direct à 21h30. À 21h20. Son mari est rentré du travail. Le gars a toqué, toqué. Quand le mari arrive. Le mari dit à sa chérie, chérie, s'il te plaît, arrête ça. Le mari dit à l'étoile qui vient d'arrêter le direct. Elle dit que s'il te plaît, chérie, donne-moi 15 minutes. Le gars est énervé, dit, ben toi, t'abuses, quoi. T'es tout le temps en direct, j'en ai marre. Ce que le Watt dit. Maintenant, l'étoile qui vient force. J'ai la vidéo dans le téléphone qui est en live sur TikTok. La vidéo est là. Et puis maintenant. Est-ce que Natou est là? Voilà, Natou, si tu es là, et puis il raconte. Par exemple, il te raconte. 15 minutes sont passées. Le Watt est encore en train de taper que, mais putain, il tape, il tape, il tape, il tape. Et toi qui ben est là, elle a envie de clasher. Elle veut répondre au clash. Après, elle dit, bébé, on t'entend et tout ça. Il y a que le ram qui est sorti là-bas, Natacha. La guerre qui est sortie là-bas, en direct.
Maintenant, au lieu qu'elle coupe même le micro, elle coupe pas le micro. Ça commence à discuter avec le gars. Le gars dit que, mais putain, mais toi, arrête ça. Elle dit à son gars que les abonnés sont en train de l'écouter. Comment il fait le gamin? Voilà l'étoile qui vient qui dit à son mari que les gens sont en train de t'écouter, tu fais le gamin. Le mépris total. Voilà donc une gars qui dit qu'elle a le mari. Regardez le manque de respect. Non, l'étoile qui vient, elle ne peut pas te laisser. Ce n'est pas le clash, je n'ai pas de clash avec toi, mais franchement, le gars avec qui tu vis là, je ne sais pas si tu l'aimes vraiment. Elle n'a pas pu, elle n'arrive pas à supprimer le live. Et tel qu'elle connaît l'étoile très bien là, elle va venir faire le direct là. Et je suis sûr que le boîte là va dormir, elle va venir faire le direct là. Si tu vois la scène. Non, ce n'était pas beau à voir. Ce n'était pas beau à voir ça. C'était pas du tout beau à voir. Ton mari rentre du travail, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au moins lui faire la bise. Hein? Ton mari rentre du travail, tu vas au moins lui faire la bise que chérie, tu peux bonne arrivée et tout, tu prends le manteau. Ton mari est plus important que les lives. C'est pourquoi moi j'avais dit que les directs ne sont pas compatibles avec le mariage. Hein? Tu as montré que le type là est là, tu n'as aucun amour pour lui. Même regarde comment la manière il parle, il n'est pas heureux. Non, mais sérieux, les gars. Ton mari rentre du travail. Et tu sais, ce n'est pas la première fois. J'avais déjà vu ça. J'avais déjà vu que tu fais ça. L'addiction aux réseaux sociaux, je l'ai dit. Être addict aux réseaux sociaux, c'est ça là. Même le mari, tu n'as plus le temps. Ce n'est pas seulement toi. Nous, on est dedans. Comment ton mari peut rentrer du travail? Tu es une femme. Va lui faire la bise. C'est toujours vous qui nous dites que vous préférez les watts alors que vous avez le comportement des sauvageons. Vous nous dites que j'aime les blancs, je n'aime pas les noirs. Regarde le comportement des femmes noires. Tu penses qu'une femme blanche peut faire ça? Moi, je dis que ta relation là, si tu continues ça, le gars là va partir. Voilà, vous avez été nombreuses. Toutes les femmes de Facebook là vont perdre leur mari. Le mari, il rentre du travail, il va lui faire la bise. C'est ton mari, il a travaillé toute la journée. Si tu as une meilleure vie, c'est grâce à lui, non? Et pourquoi l'homme n'est pas dans tes activités, tout ça? Vous mentez aux gens, gars. Vous avez posé les gens pour les dos. Vous savez, c'est que être avec un jeune ouad là, vous êtes amoureux, comment c'est beau, vous allez en vacances, c'est les vacances. C'est même pas prévu. Voilà les vacances où on part en vacances avec son mec. Vous allez voir que vous allez passer tout le temps là-bas. On sent une relation que chacun dort dans sa chambre. Chérie, les abonnés disent que tu. Après, tu vas dire que tu épargnes ton mari. Ton mec rentre. Un homme que tu aimes, ton gars rentre du work. Chérie, bisous. Tu vas faire bisous. Ça va, ça a été la journée et tout. Tu n'as même pas dit avec le live. Et tu es là en train de clasher. Vous allez perdre tous vos maris, vous, les gens de TikTok. Donc, moi, je fais ce petit live pour te dire que tu en aimes. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller dire en privé tout ça. Mais vous avez la chance d'épouser les Sarah. Un Camerounais, la bac du work, tu es Sanga. Le Cam. Tu fais tes conneries avec lui, là. La claque que tu vas prendre avec le Camerounais, là, on ne va pas te dire. Non, mais sérieux, quoi. Mais je peux te dire que tout le monde a vu, il n'y a pas d'amour dans ta relation là. Aïcha, demi-toi. Il n'y a pas d'amour. Tu manges. Si tu manges, tu coupes. Hein. Parce que les bruits du mangement là, c'est comme si tu entends les niasses. Mais à jamais la vidéo, quand tu parles à moi, je suis en vidéo, toi tu n'es pas en vidéo. Tu mets la vidéo, pourquoi? Pour que je te voie bien. Me vois quoi, Simon? Tu es mort. Non, je suis Diaga Diaga. Ok. Donc,
Ma soeur, pardon, ne viens pas faire le direct. Reste concentré sur ton homme. Et l'amour, c'est aimer la personne, éprouver. C'est comme on a vu là. C'est plus. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'elle a des... Parce que les followers, c'est qui? Pour dire que son mari fait comme un gamin. Et tu lui dis même ça. Tu dis à ton mari que les followers ont dit que tu es gamin. Ah, il veut poster la Il fait vidéo. comme un gamin. Pas qu'il est gamin, même il fait comme un gamin. Il fait comme un gamin. J'espère qu'elle a effacé la vidéo là. Maman, j'espère que tu as effacé. Oh. Ah, si tu as cœur de laisser la vidéo là, si t'as pas. Hé, hey, Aïcha, toi, la nourriture a fini d'abord, pardon. Seigneur. Je te jure. Ça veut dire que les trois tribunaux Elle n'a pas effacé, hein. Sur la religion. Elle n'a pas effacé. Voilà la vidéo, elle n'a pas effacé. Je pense que pour l'instant, elle ne s'est pas rendue compte. Elle n'a pas Elle ne s'est effacé. pas encore rendue compte. Arrêtez-vous. Seigneur, l'Angala n'a pas effacé la vidéo là. Elle lui dit d'effacer ça, franchement. Pas du tout. Jamais. Le ciel des étoiles doit briller. Je trouve qu'il est tout à fait léger. De toute façon, elle avait déjà du monde, mais bon, rien n'empêchait qu'elle remonte. Et je suis allée enlever de ma page parce que je ne voulais pas donner mon aval pour qu'une personne avec qui je n'ai pas les problèmes soit citée de façon insalubre sur ma page. J'ai enlevé. Tout de suite, Elle n'a pas effacé, hein. le Le lendemain, cœur de ça. j'ai. Du gamin, ça fait au moins 3 ans ou 4 ans qu'on cause. J'intervenais même dans Lancé tes du linge chez lives moi le Ah bon? Facebook, mais tu n'as pas reconnu ma voix. C'est que tu n'avais pas dragué. Mais sur Facebook, j'étais en faux profil. Ah bon? Mais la voix, là, me dit quelque En faux chose. profil. Quoi? Si tu vas dans tes lives, tu vas reconnaître ma voix. Maman, elle est vide. Là, il est 400 lèvres et tout. J'étais L'Angala. en faux profil. Seigneur, c'est quoi cette connexion? Et toi, qui viens, efface la vidéo là. Ouh là là, je suis en train de mettre la vidéo. Toi, avec la nourriture, on ne parle pas en live. Je me mute d'abord. Oui. Attends, Natacha a dit que son mari devait aussi protéger son épouse, sachant qu'elle a des traités sur la toile. Un homme doit protéger son épouse. Il doit attendre qu'elle termine son travail d'influenceuse. Dans le direct, c'est un véritable manque de respect et de considération envers l'activité d'influenceuse de son épouse. Elle a bien attendu qu'il rentre du travail. Elle a bien attendu qu'il rentre du travail. Il doit aussi attendre qu'il finisse son travail. À quelle heure? Mais il y a des règles, Natacha de Monaco. À quelle heure? Comment il n'arrive pas à me connecter sur l'histoire-là? À quelle heure? Massa. Solidarité féminine, là, c'est la magie. Hein. Natacha. Elle a fait d'abord le live. Tu fais le live la journée où c'est 3 heures. Est-ce que vous gérez, c'est facile? Hein? Natacha de Monaco, tu es en train de nous dire quoi, là? Tu es en train de nous dire quoi, là? Allez lui demander de bloquer. Moi, j'ai ça dans le téléphone. Juste dans le téléphone. Ahmed Kamel, tu as un faux profil dans mon direct. Je connais ton faux profil. Là où elle est là, c'est sûr qu'elle est en train de se prendre la tête avec le gars là. La lecture de l'heure. Aïe, 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 aïe. Moi, je connais les gars. Franchement, c'est comme ça que vous pétez vos mariages. Vous pétez vos mariages. Si tu vois comment les filles camerounaises parlent à leur Watt, tu as même pitié du Watt, mon frère. Eh, Seigneur! Elle te dit que moi, je suis intégré, je suis avec un blanc. Mais le comportement avec le blanc, là, c'est la magie seulement. Elle s'est fait en train de déranger ici, là. Oh là là. Donc les amis, je voulais dire à la soeur de vraiment faire attention
Et tout, et tout, et tout. Aïcha, qu'est-ce que tu dis? Elle a une outil qui ne finit pas.